je pense. Mais on n'est pas en finale par spécialité. Donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, Isabelle Severino a maîtrisé totalement cet exercice et qu'il lui reste le sol pour boucler son championnat de France. Regardons Sébastien Taillac d'Antibes au bar parallèle. Entrée en bout, bascule, valse. Établissement vers l'avant que l'on appelle le Moy. Qu'un de nos Français, Willy Moy, titulaire de l'équipe de France dans les années 70-80. Ouh, petite difficulté ici sur ce double avant dans les barres. Demi-tour, demi-tour, et c'est maintenant la sortie. Double arrière groupé. Exercice réussi, mais un petit peu difficile dans le milieu. On va revoir peut-être au ralenti le double avant dans les barres. Regardez la pointe de pied. Très important d'avoir les pieds tendus jusqu'au bout des orteils. La grande tour est mise. Et le double avant, ici réceptionné un tout petit peu bas. Et la loupe. Voilà, qui l'empêche de faire un beau coupé écart. C'est le grand chambardement. C'est terrible, hein, lorsqu'on ne rattrape pas une barre en même temps, simultanément, c'est le déséquilibre assuré. Hein. Un petit désaxé. Après ce ralenti de...